état d'esprit. Certains esprits te mettent dans certains états, état d'esprit. Qui consulte le plus les esprits? Les chefs d'état, état d'esprit. Pour te nuire, on t'envoie un esprit, et même d'état, état d'esprit. Seul un esprit ça peut vaincre des esprits qui servent Shaitan. Cherche pas à comprendre, y'a pas moyen. Ils se disent tous logiques, cartésiens, mais en Grèce tous un sorcier, un magicien. Et s'en servent pour faire le mal, pas le bien. Tant de connaissances ancestrales sont mises aujourd'hui au service de leur plan bestial. Ils invoquent des esprits vraiment très sales afin de les aider à rester sur leur piédestal. Ne sous-estime pas l'impact de la possession. Tu changes d'état d'esprit, tu te poses pas trop de questions. Mais plein d'humeur ne viennent pas de l'intérieur. Parfois t'as peur, mais c'est pas ta propre frayeur. Plein d'entités invisibles qui abusent. L'artiste consomme des drogues pour entrer en communication avec. À l'ancienne, on les appelle des muses. Vu qu'elle planait dans l'air, cette idée est-elle vraiment la tienne? État d'esprit. Certains esprits te mettent dans certains états. État d'esprit. Qui consulte le plus les esprits? Les chefs d'état. État d'esprit. Pour te nuire, on t'envoie un esprit. Et même d'état, état d'esprit. Seul un esprit ça peut vaincre des esprits qui servent Shaitan dans cette société. T'imagines pas le nombre de gens haut placés qui vont consulter. Beaucoup sont possédés sur leurs pratiques occultes, y'a de gros dossiers. Ils veulent les occulter. T'es victime de harcèlement par un esprit malveillant. Prie souvent et brûle de puissance ensemble. Méfie-toi des gens, tu crois qu'ils sont pas méchants. Ils ont le vice des parents, mais le pire c'est leur langue. Veux-tu rester sous leur tutelle ou te libérer de toute entité surnaturelle? Que la possession de soi soit ta profession de foi, sous la protection de Jah. Certains tribuns ont bien besoin d'un exorciste. Certaines tribus excellent dans cet exercice. Qui va les voir? Des Européens dépressifs qui ont testé tous les médocs et toutes les médecines. État d'esprit. Certains esprits te mettent dans certains états. État d'esprit. Qui consulte le plus les esprits? Les chefs d'état, état d'esprit. Pour te nuire, on t'envoie un esprit. Et même d'état, état d'esprit. Seul un esprit ça peut vaincre des esprits qui servent Shaitan. Certains jouent avec le feu sans vraiment le connaître. Mais lorsque ce feu les brûle, c'est là qu'ils regrettent. Jouer à se faire peur dans une séance de spiritisme peut avoir des conséquences gravissimes. Tu ouvres une porte qui était cadenassée, une âme est passée. Maintenant t'es embarrassé, tu voudrais t'en débarrasser. T'as pratiqué l'automatique écriture. Ce matin tu te réveilles avec tout ton corps rempli de griffures. Un être cher te manque, laisse-le s'en aller. Ne viole pas les lois naturelles pour lui parler. Un esprit malin se fera passer pour lui. Les pratiques magiques qui tournent au tragique, ça date pas d'aujourd'hui. N'écoute pas ceux qui t'y encouragent. Les conséquences seront graves sur toi et ton entourage. Ce qui t'arrive maintenant, tu sais pourquoi. Je compatis vraiment, je prierai pour toi. État d'esprit. Certains esprits te mettent dans certains états. État d'esprit. Qui consulte le plus les esprits? Les chefs d'état. État d'esprit. Pour te nuire, on t'envoie un esprit. Et même d'état. État d'esprit. Seul un esprit ça peut vaincre des esprits qui servent Shaitan.